Elle incarnait Monica, sœur de Ross qui va, au fil des saisons, construire une relation avec Chandler, alias Matthew Perry, regretté comédien mort à 54 ans il y a quelques semaines. Courteney Cox a pris la parole sur Instagram face à la disparition de son partenaire et ami, partageant un souvenir très particulier avec lui. Le 28 octobre 2023, l'acteur Matthew Perry était retrouvé sans vie dans son jacuzzi à Los Angeles, à l'âge de 54 ans. Celui qui incarnait Chandler Bing dans Friends est mort, laissant ses proches dans le chagrin, et le monde entier face à la tristesse d'avoir perdu un ami cathodique qu'il a accompagné durant 10 saisons du sitcom culte. Si les causes exactes de la mort de la star qui a longtemps lutté contre les addictions restent à être définies, dans l'attente d'analyse toxicologique, il a été enterré au Forest Lawn Memorial Park en toute intimité. Ses célèbres partenaires du show étaient présents et ils prennent désormais publiquement la parole, après s'être exprimés via un communiqué commun. Après Matt LeBlanc, alias son ami et colocataire Joey, c'est autour de Courteney Cox, qui incarnait Monica, l'amie puis épouse de Chandler dans la série, de partager son chagrin. Elle a publié sur son compte Instagram un extrait de la fameuse scène dans le cadre du mariage de Ross avec Emily, au cours de laquelle la romance entre les deux personnages est révélée au public. Je suis tellement reconnaissante pour chaque moment passé avec toi Matty, et tu me manques chaque jour, écrit l'actrice. Sa publication s'accompagne d'une vidéo après la fin de la scène, dans laquelle Courteney Cox, au lit avec Matthew Perry, lance une blague coquine à destination du public dans le studio. Dans cette scène, avant que nous commencions à tourner, il m'a murmuré une phrase drôle à dire, explique-t-elle. Il faisait souvent des choses comme ça. Il était drôle et il était gentil, ajoute Courteney Cox. Elle a recontextualisé le moment soigneusement choisi, Chandler et Monica devaient seulement coucher ensemble une fois à Londres. Mais vu la réaction du public, ça a finalement été le début de leur histoire d'amour. Matthew Perry avait insisté pour que Chandler ne trompe pas Monica dans Friends, une anecdote bien connue des fans, mais la vidéo rappelle l'enthousiasme des spectateurs, la série était tournée en public, en découvrant le couple inattendu. En voyant à quel point l'idylle entre les deux personnages avait conquis l'audience, les scénaristes en ont fait ensuite un des arcs principaux. Matthew Perry avait d'ailleurs insisté sur le fait que l'idée proposée selon laquelle Chandler puisse ensuite tromper Monica ne devait pas être gardée. L'actrice Lisa Cash, qui jouait une réceptionniste dans un hôtel de Vegas où elle devait avoir une relation adultérine avec Chandler, avait ainsi expliqué sur TMZ, « Nous avions appris nos répliques et répété la scène, mais la veille du tournage devant un public, Perry est allé voir les scénaristes pour leur dire que le public ne pardonnerait jamais à Chandler d'avoir trompé Monica. Il avait probablement raison. Cela aurait pu changer le cours de la série et son personnage. » Une décision de Matthew Perry pour laquelle la communauté Friends le remerciera certainement éternellement.